pour sa résistance, mais aussi pour sa dignité et son amour pour la liberté. Au 21 Boulevard des Martyrs ce soir, nous vous proposons ça. Un documentaire captivant, un documentaire sensible, mais aussi qui dénonce les exactions du Maroc contre le peuple sahraoui, s'intitule Un mur dans le désert. Il est signé par Hervé Ferrand. C'est un député socialiste engagé qui va ramener un grand comédien français, Pierre Richard le comédien, qui va bien sûr mettre sa belle voix sur ce récit, sur ce commentaire qui nous explique la souffrance du peuple sahraoui et sa solitude. On regarde un extrait avec bien sûr Nabil Tribesh et on revient juste après pour la suite du programme sur Canal Algérie. Il y a l'émir des hontes, l'émir marocain, militaire. C'est très dangereux, mais le plus dangereux pour moi, c'est l'émir des silences. Très simple que nous ne voulons pas être ni espagnols ni marocains. Ce documentaire est un hommage au courage du peuple sahraoui. C'est une histoire de résistance, une grande histoire d'amour, l'amour de la liberté. Avec nous pour voir l'intégralité de ce documentaire dans pas longtemps, bien sûr dans votre émission cinéthématique et sur votre chaîne Canal Algérie. Nous vous avons habitué à des soirées longues cinéma et ce soir ça va être dédié au documentaire qui fait partie bien sûr de ces disciplines qui permettent de connaître des causes comme celle du peuple sahraoui. Nous vous proposons un chef-d'œuvre algérien. Il s'agit du premier documentaire filmé par un réalisateur très connu en Algérie, engagé, c'est un moudjahed, il s'appelle Ahmed Rajdi. Nous fait l'aube des damnés. C'est un clin d'œil aussi à un écrit de France Fanon, Les damnés de la terre. Et c'est un condensé d'images, d'archives collectées des années et des années pour montrer la lutte des peuples africains pour leur libération et contre le colonialisme. C'est aussi un documentaire qui nous parle de la nécessité et de l'importance de la culture. On l'entendait dans l'extrait qu'on vient de voir. La culture comme meilleure arme pour défendre son identité, son histoire, son appartenance à une terre, à un peuple, à une région. On va voir un extrait, bien sûr, mesdames et messieurs, du documentaire d'Ahmed Rajdi, L'aube des damnés. L'image, elle est exceptionnelle. Nous remercions à l'occasion, bien sûr, la direction des archives qui nous soutient depuis très longtemps pour vous montrer et vous présenter des œuvres inédites. On regarde. On croit sur le présent et que c'est sur lui que l'avenir se greffe. Quête d'abord chez nous, bien sûr. Dans ce qui demeure du passé, dans les objets fabriqués par nos mains. Dans nos bibliothèques. Les restes de nos villes détruites, oubliées, nos pierres, nos monuments. Mémoire.
mais qui est aussi chez l'adversaire, dans les aveux cyniques ou distraits de ses livres, dans la vérité à peine arrangée de ses films, dans tous les documents où si souvent il a tenté de nous travestir, mais dont il est si facile de percer les masques pour enfin parvenir à la vérité, notre vérité. Et bien sûr, ce sont des kilomètres de bobines et de films qui ont été encore une fois retrouvés et collectés pour vous donner ce travail qui est un travail immortel à mon sens et qui est utile pour les générations actuelles et futures pour savoir ce qu'a enduré le peuple algérien, mais non seulement le peuple algérien, mais les peuples africains. Ce soir, celui qui va m'accompagner, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui fait partie de la boîte, comme on dit dans le jargon télévisuel, c'est-à-dire c'est l'enfant de la télévision algérienne, c'est un journaliste, il fait partie de cette première génération qui est parti justement au Sahara occidental. C'est le premier à avoir frôlé le sol, c'est le premier journaliste algérien à avoir frôlé le sol du Sahara occidental. Après juste ce qu'on a appelé la fameuse, soi-disant, marche verte, il s'appelle Amar Bakhouch. Vous me faites l'honneur d'être ce soir avec nous sur Canal Algérie, sur le plateau de Ciné Thématique. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est encore un honneur pour toute l'équipe qui est là, les caméramans, les jeunes, bien sûr, stagiaires qu'on a là. Et puis toute la régie est ravie parce que vous faites partie de ces aînés qui nous ont laissé des références. Merci, Amir. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Encore une fois, je suis toujours heureux et content d'être dans cet endroit qui m'a vu naître professionnellement. Oui. Et je garde toujours quelque part dans mon être un coin particulier à la télévision algérienne. Je suis là, j'ai en mémoire bien sûr plusieurs sorties, plusieurs couvertures au niveau du Sahara occidental. Peut-être avant d'en parler, moi je voulais vous faire réagir par rapport à malheureusement des disparitions qu'a connu la télé. Mohamed Aïch, un ami à vous, quelqu'un aussi qui a consacré pratiquement toute sa carrière et sa vie à la recherche, au savoir, à vouloir mettre en avant la culture, notre identité. Et vous me dites en off à chaque fois qu'on parle, vous me dites, Emil, ce qui est important aujourd'hui, c'est de veiller à ce que toute notre culture soit transmise. Quelle est l'importance du mot transmettre? Qu'est-ce que signifie pour vous? C'est l'essence même du métier du journaliste? Oui. Transmettre. Parler de Mohamed Aïch, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a marqué les couloirs et les studios et les salles de montage de la télévision algérienne. Oui. Aïch, il a une particularité, c'est à travers une carte postale ou une photo ou un tableau de peinture, il te raconte toute une histoire qu'il y a autour de cette carte. C'est comme ça qu'il a immortalisé un peu la Caspa, Constantine, par à titre d'exemple, des peintres algériens, je me souviens bien, mais Mohamed Aïch, parfois, quand on ne le croise pas dans les couloirs de la production ou des studios, on se dit qu'il y a quelque chose qui manque. On s'interroge. Oui, il y a quelque chose qui manque. Ouais. Faisait partie vraiment du patrimoine artistique. Et, ouais. De production télévisuelle du 21 boulevard des Martyrs. Ouais, je vais vous ramener à 40 ans en arrière et vous aviez à l'époque, si je me souviens bien, que 8 mois de petite expérience à la télévision algérienne et on vous demande de partir après ce qu'on a appelé la marche verte. Mmh. Et moi, ce que j'ai envie de savoir ce soir, quelle a été la première image qui vous a frappé? Comment avez-vous réagi à cette demande de mission? Comment voyez-vous déjà la chose avant de partir? Bon, je vais vous expliquer d'abord pourquoi c'est moi qui est parti du Sahara occidental avant d'autres qui étaient là bien avant moi, qui avaient plus de bagages techniques, journalistiques, une petite histoire derrière eux. Mm. Et c'est un nouveau qui avait à peine 9 mois d'arrivée. Pourquoi? Parce qu'une fois que le problème du Sahara occidental il s'est posé au niveau de l'actualité internationale, avec la préparation de la conférence tripartite de Madrid entre le royaume marocain, la Mauritanie d'une part, et le gouvernement de Franco, je me souviens, on commençait à débattre de cette question dans la salle de rédaction, et Madani Houas, à l'époque, était lui, le responsable de l'information, là, il était au et il arrive, moi, jeune, comme ça, je lui dis, c'est Madani, si jamais vous envoyez une équipe au Sahara occidental, je suis preneur. Je suis volontaire pour ça.
Au bout d'un mois, je crois, ça a évolué dans l'organisation de la marche verte, ce qu'on appelle la marche verte. En vérité, elle était verte, c'est vrai, parce que à l'intérieur, c'était des soldats en tenue verte des forces royales. Marocaines. Oui, c'est. Ouais. Bon. Elle n'a de populaire que le nom. Eh bien, Madani Hawass, il rentre en plein salle de rédaction. Il y avait tout le monde, Bedjedullah Irhamou, Boukabash, Ibrahim Belbahri, Ahmed Wahid, j'en passe. Il me dit, Khouch, dans 3-4 jours, prépare-toi, tu vas aller au Sahara occidental. Oui. Et c'est là où j'ai senti la lourde tâche, quelque chose qui est comme une chape qui s'est frappée sur mes épaules. Je me suis dit, tiens, première aventure, pratiquement reporter de guerre, parce que pour nous, la marche verte, c'était quelque chose comme ça. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai été accompagné par un talentueux caméraman qui est mort, Berhmou Abdallah Bounjar, assisté de Farid Hamnil. Il faut que je nomme ces gens-là parce qu'ils étaient. Ils ont du mérite. Oui, beaucoup de mérite. Et Mohamed Morjan, ingénieur de son. Il vit toujours, Farid Hamnil vit toujours, Betawfi Amarhom. Et bien voilà, on part. C'est une aventure d'abord pour y arriver. À l'époque, il y avait toute une situation de la logistique, qu'il faut qu'elle soit mise en branle. Donc, on ne pouvait pas arriver à l'époque directement jusqu'à Tindouf. On a fait escale à Béchar 2 jours. Par la suite, il y a un avion qui nous a convergé, je crois, au Nord-Atlas. Oui. Non, c'était un convergé qui nous a amené jusqu'à Tindouf. Et voilà, c'est ma première rencontre à Tindouf. C'était avec des rescapés, je peux le dire aujourd'hui, des rescapés de l'armée, des forces armées royales, à travers les dunes qui arrivaient vers les frontières algériennes, vers Tindouf, parce que Tindouf est limitrophe de Mahbs, juste en face. Et je voyais ces femmes, ces gosses, ces gens qui arrivaient, c'est que l'Algérie a offert son territoire et pour secourir et venir en aide à une population qui a été martyrisée, qui a été envahie, disons-le, une fois que l'envahisseur espagnol, le colonisateur espagnol a quitté le sol, qu'il y a un autre colonisateur qui a pris sa place. Oui. Il était, par ce qui s'est passé avec la population, un peu beaucoup plus féroce que les autres. Pourquoi? Oui. Parce que c'est des gens qui parlaient à peu près la même langue, à peu près le même langage, de même appartenance, de même religion, si je peux dire. Mais ils étaient violents vers ce peuple qui ne voulait pas d'eux. Le seul échappatoire pour ce peuple-là, c'est de se réfugier quelque part, trouver Kimegourou Blarbi Sedrehnin, et c'était l'Algérie. Et c'est l'Algérie justement qui a mis à disposition du peuple sahraoui un territoire pour leur permettre de vivre dignement, dans la dignité, et pour continuer la lutte. Et c'est normal que ça vienne de l'Algérie, parce que l'Algérie n'accepterait jamais, selon vous, d'admettre qu'en 2021, au 21e siècle, des colonies existent encore, malheureusement. C'était en 2000, enfin, le 20e siècle, à l'époque. L'Algérie, il faut d'abord se mémoriser l'histoire de l'Algérie. Les Algériens aussi ont vécu dans des camps de regroupement sur les frontières tunisiennes. Effectivement. Et à l'époque, surtout sur la frontière tunisienne, la frontière marocaine, peu, sinon rien. Donc, elle sait de quoi il s'agit. Elle a connu cette tragédie, cet exode des civils qui fuyaient une armée coloniale, pour le dire. Donc là, j'ai été témoin et mon premier reportage s'est permis. Bien sûr, allez-y, ne vous inquiétez pas. Le camp de Hassi Rabouni, Shahid Hafid Boujma, c'est le premier camp de réfugiés établis, des réfugiés sahraouis avec des tentes parfois et organiser toute la logistique autour. Dans le documentaire de Hervé Ferrand, on va parler justement. D'ailleurs, même le président du Croissant Rouge en parle dans l'extrait, il dit « Il y a le mur de la honte qui a été érigé par le colonisateur marocain, plus de 2700 et quelques kilomètres. C'est comme une cicatrice en plein Sahara, en plein désert, qui sépare bien sûr les familles de se retrouver. D'abord, c'est une violence faite au peuple sahraoui, ça c'est de 1. Mais pour nous déjà, Algériens qui ont subi une colonisation de plus de d'un siècle et 30 années, 32 années pour être dans la précision et qu'on n'oublie aucun jour de la colonisation, pour nous ça nous rappelle bien sûr un mur comme ça nous rappelle les lignes
de la France, Maurice Écharpe, qui justement, ce sont des lignes qui disposent de barbelés, de mines antipersonnelles, de mines de canons. Qui laissent des victimes jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est des régions. Effectivement. Est-ce qu'on peut rester indifférent? Est-ce que l'opinion internationale, est-ce que les médias internationaux peuvent rester indifférents par rapport à cette violence faite au peuple sahraoui? Le réalisateur de ce documentaire, il a parlé d'une cicatrice. Le mur représente pour le peuple sahraoui, pour lui, une cicatrice. Moi, je dis c'est une balafre. Une cicatrice, ça suppose qu'il y a une blée qui commence À se colmater, à se refermer. Mais c'est une balafre qui traverse tout le Sahara occidental du nord jusqu'au sud, à quelques kilomètres d'Alger. Il faut signaler aussi que la monarchie marocaine a profité d'une accalmie des années 80-82. Oui. Une accalmie, le roi Hassan II avait miroité à l'époque son acceptation d'organiser un référendum d'autodétermination. Donc, il a manœuvré avec l'influence, disons, de l'Arabie Saoudite et certains pays du Golfe. Ils ont demandé est-ce que le Polisario, le Sahara occidental, marque une pause dans sa lutte contre les forces armées marocaines. Oui. Il en a profité de cette, je peux dire, de cette période d'accalmie pour construire ce mur qui longe nos frontières à peu près à côté de Tindouf et de Mahbès et qui est devenu actuellement, il peut même, sur le plan stratégique à long terme, c'est un danger pour notre propre pays. Et cet accord de cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario a permis aux Marocains de renforcer leur position. Oui. Et il y a un autre problème aussi qui a permis aux Marocains de renforcer leur présence et de s'établir au Sahara occidental. Oui. C'est que l'Algérie, qui a joué un très grand rôle pour soutenir ce peuple, pour qu'il accède à son indépendance, à s'auto-déterminer, l'Algérie était rayonnante au niveau africain, au niveau du tiers-monde, l'Amérique latine, tout ça. Et voilà que subitement, on a eu ce qu'on appelle la décennie noire, le terrorisme terre. L'Algérie, elle s'est regroupée autour de ses propres problèmes à l'intérieur. Et on a abandonné toute cette profondeur africaine et tiers-monde de l'Algérie. Et l'Algérie, c'était un peu le porte-voix sur lequel s'appuyait le peuple sahraoui pour porter sa voix dans les instances internationales. Aujourd'hui, l'Algérie est en train, à travers, je suis l'actualité, à travers la démarche de notre ministre des Affaires étrangères, qui a sillonné pratiquement toute l'Afrique ces derniers temps, et c'est une bonne chose pour que l'Algérie reprend et redevient le porte-flambeau des mouvements de libération nationale et des droits du peuple à l'autodétermination. Oui. Ça a influé sur la question du Sahara occidental. Dans le documentaire, M. Amr Bakhouch, le commentaire qui vient au début, il est saisissant. Il est saisissant parce que, si vous voulez, si on fait un parallèle avec la déclaration justement du président du Croissant-Rouge et même aussi la ministre de la Culture qui parlait dans Sahraoui, dans ce documentaire, qui dit que c'est vrai qu'il y a un mur de la honte, ce mur qui sépare les peuples, ce mur qui dispose encore une fois de mines antipersonnelles, ce mur qui dispose de radars, ce mur qui dispose de barbelés, et on sait, ça nous rappelle encore une fois la tragédie qu'a vécu le peuple algérien pendant le colonialisme, et qu'on veut en finir avec ces pratiques au XXIe siècle. Mais il dit aussi quelque chose de très important, il dit il y a le mur de la honte et il y a aussi le mur du silence. C'est-à-dire le silence des médias internationaux, parce que c'est important. Aujourd'hui, peut-être quand on parle de cette question-là, quand on parle du problème du Sahara occidental, certains disent que ce n'est plus actuel, arrêtez avec ces sujets, parfois, excusez-moi le terme, je reprends ce que disent parfois certains, un peu démagos, un peu, voilà, qui nous renvoient à une certaine époque qui n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que selon vous, vous pensez que c'est normal que des médias n'en parlent pas, que des médias lourds internationaux qui sont chargés de faire l'information ne parlent pas des exactions, ne parlent pas des attaques, ne parlent pas
de cet arrachement à la culture, parce qu'on va en revenir, cet arrachement, ces familles qui ne peuvent pas approcher leur famille, ces familles qui parfois laissent leurs proches dans des prisons marocaines, ils se font torturer. Vous avez, la culture, c'est quelque chose de fondamental pour la mémoire. Et Feu Bachir Boumazar Birahmou, il a fait comme slogan et comme thème de sa association, Louis Mai 45 à l'époque, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et la mémoire, elle vient par la culture, parce qu'on lui laisse ses enfants, ce qu'on lui écrit, ce qu'on lui laisse comme matériel, comme produit. Parler du mur de silence, les premières années de la question du Sahara occidental, il y avait quand même un engouement, la presse espagnole, française, mondiale. Et par la suite, ça commence à se tasser un peu. Scléroser, une question qui s'est sclérosée. Et pourquoi, quand tu vois à l'époque, c'est les médias, aujourd'hui, actuellement, ils sont financés et dirigés, et ils appartiennent aux monarchies du Golfe, la plupart. Et les médias occidentaux, notamment françaises, parce que ce sont là les médias qui s'intéressaient à l'époque à cette question, et sont financés par des grands groupes impérialistes, des grands groupes d'intérêts capitalistes, qui ont bien sûr des intérêts avec la monarchie marocaine pour le moment. Donc c'est d'où l'influence, d'où leur influence sur ces médias pour passer... Autre, le problème, c'est que je peux aussi ajouter, même les médias algériens ont cassé, comme ils disent, fait le Sahraoui. À un certain moment, la télévision algérienne, l'APS, par exemple, la radio, tout le temps était présente, mais avec l'ouverture médiatique. Mais je constate malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'espace consacré par la presse nationale, surtout privée et même publique. À cette question depuis des années. La ministre de la Culture dit dans ce documentaire, et c'est une phrase qui m'a frappé franchement, qui m'a vraiment interpellé, elle dit le moindre poème, la moindre chansonnette, le moindre écrit, la moindre pièce théâtrale qui parle justement de l'identité d'un peuple, de la culture d'un peuple, de l'histoire d'un peuple, constitue justement un moyen considérable de lutte. Elle dit que la plus grande violence faite à un peuple, et la plus grave des violences faites à un peuple, ce n'est non pas la violence physique ou celle des tortures ou celle des armes. C'est celle de la plus, je pense, abjecte et difficile des violences. C'est quand on lui arrache son histoire, son identité. C'est la plus perverse des violences. Ce qui a été fait en Algérie, on a voulu toujours déraciner le peuple algérien à son appartenance à cette terre, à son identité, à sa langue, à son dialecte, à sa religion, à ses mœurs, à ses traditions. C'est les mêmes pratiques qui sont pratiquées aujourd'hui, c'est-à-dire attaquer, enlever la terre à ses ancêtres, la philosophie, à ses propriétaires. La philosophie des colonialistes, c'est toujours la même, c'est de faire tout pour déraciner les peuples, pour les éloigner de leurs origines. Ça me revient un exemple, un grand politicien, homme de mouvement d'indépendance africain, j'ai oublié son nom, il a dit les Occidentaux, ils sont venus en Afrique, ils sont venus chez nous avec un livre, l'Évangile, et nous, on avait la terre. Quand ils sont partis, quand on s'est rendu compte, on a remarqué qu'ils ont pris la terre, ils nous ont laissé le livre. L'Évangile et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'acculturation, et c'est normal, tout colonialisme, il essaie d'effacer les traces et le socle sur lequel le peuple s'appuie, c'est sa culture, c'est son identité, c'est sa nationalité. Donc, pour l'atteindre, il faut toujours commencer par là. Alors, il y a un dicton, je vais peut-être finir ce petit chapitre avec ça, il y a un dicton sahraoui qui dit « La mer, c'est pour se laver, la montagne, c'est pour se purifier ». Et le désert, c'est pour y retrouver son âme. La terre du Sahara, justement, c'est pour ce peuple-là, c'est leur âme qui est en jeu, c'est normal. Et c'est normal qu'ils se défendent. Et peut-être un petit chapitre avec lequel on va peut-être terminer cette première partie, M. Amar Barkhouch, c'est les richesses du Sahara occidental. Justement, vous qui êtes parti dans ces camps de réfugiés, là où
enfants n'ont pas droit à une vie digne, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à l'eau courante, ils n'ont pas accès à l'électricité. Ce peuple qui vit sous les tentes, qui n'a pas pu justement bâtir ses villes, bâtir sa technologie, développer, c'est normal, ils ont le droit d'aspirer à ça, ce sont des humains comme tous les autres. Et en face, il y a un territoire qui est riche, il y a du phosphate, il y a des minerais divers, il y a du poisson qu'on vole complètement à ce peuple, avec la complicité malheureusement de grandes firmes internationales qui ont fait un pacte avec le diable. Ces firmes-là, elles ont une influence, elles ont leur mot à dire sur les médias. Mmh. Donc là, la liaison est... Mais ce qui m'a touché, je garde toujours en mémoire, oui, c'est que parallèlement à l'installation des camps de réfugiés, les débuts 75-76, pas loin de Tindouf, la priorité des Sahraouis, et c'était pris en charge surtout par les femmes, c'était la construction des écoles, dans des guettons aussi, prendre en charge l'école, ne pas abandonner l'école, l'alphabétisation. Oui. D'ailleurs, c'est un peuple, je crois, qui a le moins, un pourcentage le moins dans l'alphabétisme. Ils veulent apprendre des langues. Jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent y arriver. Et l'Algérie, bien sûr, contribue. Et c'est une fierté, moi, je le répète, sans aucune démagogie. C'est comme ça. Il faut combattre le colonialisme partout dans le monde. Pas que au Sahara, mais partout dans le monde. Parce que aujourd'hui, l'humanité a besoin de vivre en liberté, de se développer. On l'a vu avec le Covid, justement, que le monde était juste un petit village. Et que, voilà, notre sort est lié les uns aux autres et les unes aux autres. Hervé Ferrand parle justement, le réalisateur. On a sa petite interview. Il raconte son expérience, lui aussi, comme vous, comment il a vu le peuple sahraoui, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce documentaire, comment il a vécu, comment il ne comprend pas justement ce silence. On écoute le réalisateur. Après avoir fait quelques voyages au Sahara occidental, après avoir fait connaissance avec les Sahraouis, leurs conditions de vie dans ces camps de réfugiés depuis 38 ans, j'ai été stupéfait, épaté par leur courage, leur dignité et leur volonté d'accéder à l'autodétermination. Et j'ai remarqué qu'empêchés de nomadisme, on les empêchait de transmettre leurs traditions, leur code culturel, mais qu'ils se tournaient progressivement vers de nouveaux moyens de transmission. J'ai découvert des trucs hallucinants. On a rencontré une directrice d'une société d'édition littéraire au milieu du désert. On a vu un festival international de cinéma au milieu du désert. Et donc, j'ai eu envie d'aller parler des Sahraouis, de ce terrible problème que la planète entière ignore aujourd'hui. Mais avec cet angle-là, cet angle de la culture qui, quand on n'a plus rien, reste un extraordinaire outil de résistance. Mais c'est aussi pour nous sauver, nous les Français, par exemple, parce que je pense que tout ça nous ramène à des problématiques bien d'actualité. Participer à produire ce documentaire, c'est faire un acte de résistance partagée, c'est faire un acte de solidarité, parce que ces gens-là vivent dans des conditions effroyables et qu'aujourd'hui, on a le devoir de leur rendre leur liberté. Ce documentaire, il va servir à informer le monde entier qui ignore cette situation. Et voilà à quoi ça va servir. Bien évidemment, on est un certain nombre à s'être investi pour faire ce travail. On a voulu que ce documentaire il soit beau aussi, parce que les images sont très belles. S'il y a le moindre bénéfice, toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce documentaire sont d'accord pour dire que dès le premier euro, il serait reversé au Croissant Rouge Sahraoui, qui organise la solidarité alimentaire, l'aide alimentaire, l'aide sanitaire dans ce pays qui est en grande précarité. N'oubliez pas les Sahraouis, donnez-leur toute l'attention, tout l'intérêt qu'ils méritent. Ce peuple reste digne, mais il attend de nous tous qu'on ne l'oublie pas.
Merci pour ces belles paroles, Hervé Ferrand. Je rappelle qu'il est député socialiste et c'est grâce aussi au docteur Saïd Ayeshi qui nous a permis cette connexion pour Canal Algérie. Je rappelle que ce documentaire, Hervé Ferrand a tout fait pour le diffuser en France, Public Sénat, dans d'autres chaînes publiques françaises qu'en France Télévisions. Et c'était pour lui un combat personnel avec ses amis parce qu'il disait que c'est le sens, l'essence même de son, voilà, l'essence même de sa lutte c'est et un de peu ses principes. Pour une nouveauté pour l'Algérie. Bien sûr, il y a des humanistes partout, et oui, tant mieux parce qu'on encourage ça et c'est comme ça que l'humanité avancera. Je rappelle juste que d'après les chiffres de Hervé Ferrand en 2015, dans les camps de réfugiés sahraouis, parce qu'on commence par le camp de Tifriti, vous me confirmez Tifriti, voilà, excusez-moi mon erreur, il y a plus de 66 000 familles en 2015, 66 000 personnes dans ces camps et que l'Algérie, bien évidemment, avec le Croissant Rouge algérien, continue à faire cette mission humanitaire dont l'Algérie est fière et elle le restera, et c'est normal. Merci pour cette première partie, monsieur Amar Bakhouch. Je sais que c'est un peu difficile avec la pandémie, la distanciation. J'ai l'habitude de vous serrer la main et vous mettre un petit peu plus à l'aise, mais on y arrive et j'espère qu'on va endiguer à jamais. Les chiffres ont baissé grâce à, bien sûr, à la conscience et à la prise de conscience de nos concitoyens. Vaccination, peut-être pour les gens qui sont pour le vaccin, il faut se vacciner et pour protéger. Pourquoi tu me regardes? Moi, j'ai fait les deux doses. Oui, j'en suis sûr. Non, ne vous inquiétez pas. Nabil Tribesh, je vous remercie pour cette première partie et puis je vous demande tout simplement d'envoyer le premier documentaire signé Hervé Ferrand, Un mur dans le désert. C'est en solidarité avec le peuple sahraoui frère et un hommage pour son courage, pour sa dignité, pour sa résistance, mais surtout pour son amour pour la liberté. À dans une heure. Lorsque les individus ont une histoire commune, ils deviennent un peuple. La culture, l'histoire, la transmission des savoirs, la tradition donnent du sens au présent et créent du lien entre les générations, entre les individus. Ils deviennent un peuple. Ils revendiquent d'être reconnus en tant que tels, ils revendiquent l'appartenance à un territoire. Empêcher un peuple de transmettre son histoire et sa culture, c'est lui faire la plus grande des violences, une violence encore plus perverse, plus insidieuse que les autres violences. Saigner son existence même, saigner son appartenance à un territoire, c'est l'emprisonner intellectuellement et commencer ainsi à légitimer le fait de l'emprisonner physiquement. Inventer de nouveaux modes de transmission culturelle pour ce peuple, c'est résister, c'est continuer à exister. Ce documentaire est un hommage au courage du peuple sahraoui. C'est une histoire de résistance, une grande histoire d'amour. L'amour de la liberté. Les briques, je t'aime et je mourrai d'amour pour toi. Est ardent, le désert est brûlant, le regard embrasé, le chemin de la liberté. Il y a 4000 ans, au Sahara, l'homme, pour transmettre ses messages et ses émotions, pour décrire son mode de vie, utilisait le dessin, la peinture. À cette époque-là, la transmission culturelle était matérialisée. On retrouve, au milieu du désert saharien, dans une zone rocheuse, de nombreuses grottes abritant des peintures rupestres, précieux témoignages artistiques, datant de 4000 ans avant notre ère pour les plus anciennes peintures, à 2000 ans pour les plus récentes. On y voit des illustrations d'animaux sauvages et même des scènes de vie humaine. Voilà ce que les Sahraouis de l'époque nous ont laissé en héritage culturel. Mais les Sahraouis étaient des nomades. Et la transmission de l'histoire, des histoires, du savoir, des traditions, de la culture, ne s'est plus faite au fil des ans que par l'oralité. Puis la guerre est arrivée, et la construction du mur. Ce mur de la honte. Ce mur long de 2740 km dans le désert, comme une cicatrice dans le Sahara, qui empêche depuis si longtemps les familles de se retrouver, les nomades de voyager. Il est impossible de s'approcher car le mur est entouré de champs de mines, puis de fils de fer barbelés, un mur en terre, puis un autre mur en pierre, des tranchées en tichard.
Des radars balais sur 60 km, 7,5 millions de mines antipersonnelles sont enfouies dans le sable. Tous les 4 à 6 km, il y a une base avec un poste d'appui et des forces d'intervention rapides. On peut voir ici un obus de mortier planté dans le sable. Nous l'avons repéré à 50 cm de là où nous marchions. Il se dit que ce mur a coûté $1 million par jour jusqu'aux accords de paix et qu'aujourd'hui, il coûterait $4 millions par jour au nom de la lutte contre l'immigration clandestine. Sauf que de part et d'autre du mur, il y a des Sahraouis qui sont sur le sol sahraoui. Le Sahara occidental est aujourd'hui divisé en 3 territoires. Un territoire occupé par le Maroc, territoire intéressant pour ses richesses, phosphates, minerais divers, pêche en mer. Un territoire appelé territoire libéré par les Sahraouis. Le désert. Le désert. Et le désert. Coincé entre un mur militarisé de 2700 km et la Mauritanie. Le troisième territoire est une bande de terre mise à disposition par l'Algérie pour permettre à une partie du peuple sahraoui de vivre dans des camps de réfugiés. Le mur, construit par le Maroc, empêche la libre circulation du peuple sahraoui. On estime à plus de 166 000 les Sahraouis qui vivent cette situation d'urgence dans les camps de réfugiés depuis 40 ans. L'ONU reconnaît le peuple sahraoui et lui reconnaît le droit à l'autodétermination. Mais le Maroc use de son influence pour sans cesse repousser, voire empêcher la mise en œuvre d'un référendum d'autodétermination. Seule solution pour enrayer ce drame humanitaire que le monde ignore. Et pour que le peuple sahraoui retrouve sa liberté et sa dignité. Au Sahara occidental, il y a deux murs. Il y a l'émir des hontes, l'émir marocain, militaire. C'est très dangereux, mais le plus dangereux pour moi, c'est l'émir des silences. On ne connaît pas la réalité du peuple du Sahara occidental. Il y a ces conflits-là depuis 40 ans, mais il y a une tragédie humanitaire. Il y a des campements de réfugiés, des milliers de gens, des femmes, des enfants, où se trouvent dans le plein désert. Les agences des Nations Unies, ils sont déjà organisés des enquêtes de nutrition depuis 1997 et jusqu'à l'année passée. Malheureusement, on se trouve à peu près dans la même situation. Il y a la malnutrition chronique, il y a la malnutrition aiguë, sévère, mais aussi il y a le problème d'anémie. Les causes de ces problèmes-là, on utilise les normes, les émergences classiques. Ils sont adéquates pour répondre à les besoins humanitaires dans cette situation d'urgence à court terme, pour répondre à besoins humanitaires prolongés de 38 ans. Il y a problème d'hygiène, le manque de la nourriture, la diversification de ces nourritures, parce qu'on donne un panier pour répondre à certains besoins dans une situation à court terme. Normalement, on doit donner 2100 kcal par jour par personne. La plupart des cas, ça c'est le maximum, ce n'est pas le minimum. Il y a le problème de l'eau, la qualité de l'eau, la quantité. Selon les standards de l'OMS, on doit fournir chaque jour 15 litres à chaque personne. Mais aujourd'hui, on donne seulement un moyen de 10 litres. Et quelquefois, il y a les ruptures, quelquefois, il y a le retard. Tout cela, c'est les facteurs qui influencent capital dans ces problèmes-là de malnutrition chronique et anémie. Dans les hôpitaux, et surtout au niveau de campement, le problème, c'est l'électricité. Dans les hôpitaux régionaux, on utilise toujours les groupes électrogènes. Ici, avec les chaleurs, ça ne va pas résister.
Le problème numéro un, je crois que ce n'est pas le matériel lui-même, ce n'est pas les équipements. Le premier problème majeur, c'est le médecin. Si on n'a pas le médecin, qu'est-ce qu'on doit faire avec les équipements? On n'a pas beaucoup de médecins. On a formé beaucoup, mais malheureusement, ils sont victimes des migrations. Migration vers l'Europe. Ici, c'est un campement des réfugiés saharaux. Dans le campement, on ne donne pas des salaires. La plupart, c'est des volontaires. Et les organisations humanitaires, ils ne donnent qu'une petite prime qu'ils n'arrivent pas à donner 100 euros par mois. Nous sommes en train d'organiser des commissions des volontaires médicales de l'Espagne, surtout de la France aussi, de l'Italie, de l'Algérie. On parle de ces problèmes-là, de ça, des réfugiés sahraouis. On parle des problèmes très basiques, des besoins très basiques qu'on n'a pas encore réglés. Ce mur isole donc un peuple, déchire les familles, les amis. Depuis si longtemps empêchés de se voir, empêchés de circuler et de vivre sous une tente. D'un côté, les territoires occupés, où le sous-sol peut être très intéressant économiquement, de l'autre, les territoires libérés, arides, et puis ces camps de réfugiés. La première violence qui est faite au peuple sahraoui, c'est la privation de son territoire. C'est dans le désert qu'on peut comprendre que le sahraoui et le désert ne sont qu'un. Un proverbe sahraoui dit « Dieu a créé la mer pour se laver, la montagne pour se purifier, et le désert pour y trouver son âme. » Il fallait donc s'organiser. Les cinq camps sahraouis rassemblent au total 166 000 personnes en situation d'urgence depuis 40 ans. Ils sont divisés administrativement par des wilayas. Le gouverneur de la wilaya de Laayoune préside l'Assemblée populaire communale. Il est le représentant de l'État dans la wilaya. Il s'appelle Hammamounia. Cette wilaya est une des plus anciennes, constituée en 1976, peuplée elle-même par 45 000 habitants. Le gouverneur raconte à l'époque l'extermination de leur cheptel, les femmes, les enfants qui fuyaient dans le vent l'invasion. L'Algérie qui leur a offert ce territoire pour qu'ils puissent s'organiser et se réfugier. Cette wilaya de Laayoune n'avait que deux districts, deux daïras. Ils ont dû se sédentariser, construire des écoles, des crèches, des dispensaires. Il fallait subsister, résister, exister. Le dromadaire que tout le monde appelle ici le chameau, bien qu'il n'ait qu'une bosse, est essentiel pour le nomadisme sahraoui. Il est un mode de transport, un compagnon de route, il participe à la survie. On vit dans le désert en fonction du ciel, du soleil, de la nuit, pour s'orienter, pour se protéger du froid, de la chaleur, pour se nourrir. Aujourd'hui, la plupart des sahraouis sont sédentarisés de force, mais il subsiste des élevages en plein désert. Le rôle de la femme dans la civilisation sahraoui est essentiel. À l'époque où les sahraouis étaient encore des nomades, les hommes partaient vendre des bêtes à 500 km sur le marché. C'est la femme qui restait alors et qui gérait le quotidien. C'était un des rares pays au Maghreb où vous pouviez alors venir frapper à la porte de la tente. Vous étiez accueilli par une femme seule qui vous servait le thé. Et au bout d'un certain temps, vous réalisiez que l'homme n'était pas là. Pourtant, vous aviez droit au rite traditionnel de l'hospitalité. Par la suite, les hommes sont partis à la guerre. Pendant leur absence, les femmes ont géré le quotidien. Lorsque les hommes sont revenus, ils étaient blessés ou diminués. Ce sont encore les femmes qui ont dû prendre toutes les responsabilités. On a donc là affaire à une société très matriarcale, où l'éducation, la santé, l'administration, tout est prévu, tout est prêt pour une indépendance, une autonomie. C'est vrai, les femmes, nous femmes, on sent ça. Sans que nous sommes bien sûr présentes au niveau politique, au niveau organisationnel, au niveau de tous les travaux, au niveau des campements et au niveau même des zones occupées, parce que les femmes, c'est les femmes qui sont dans les rues maintenant, dans l'intifada. Mais chaque femme aussi se sent comme père de famille, mère de famille, et nous sommes très conscientes de ce rôle qui nous attend toujours.
La femme est admirable de courage et de responsabilité. Un système juridique, une administration, un gouvernement, tout est prévu. Les Sahraouis sont prêts à tout sacrifier, sauf leur dignité et leur liberté. Ici, tout n'est que cicatrice. Les institutions portent le nom de martyrs morts au combat. Chaque daïra, chaque wilaya porte, dans les camps de réfugiés, le nom d'une ville qui existe, elle, en territoire occupé. Les jeunes représentent plus de 60% de la population. Cela signifie qu'ils n'ont jamais connu d'autres conditions que la vie en camp de réfugiés. Beaucoup de jeunes sont impatients, et c'est une crainte pour les plus anciens. Dans le programme d'éducation, tout est pensé pour transmettre aux jeunes une vraie conscience politique de la situation. Le conseil populaire est l'équivalent d'un conseil municipal. À un détail près, ici, il est composé à 100% de femmes. Elles accueillent le visiteur en scandant des slogans militants. Elles sont belles, habillées de boubou colorées. L'habit traditionnel maure qui donne une éclatante expression à la profondeur de leur regard. Ce jour-là, un meeting populaire est organisé. Dans ce bâtiment de plus de 200 femmes sont assises à même le sol, l'impression est d'entrer dans la fournaise. Elles ovationnent les visiteurs, c'est une situation étonnante, une incroyable démonstration d'une force de conviction collective. Les slogans, les chansons demandent la liberté, la dignité, le droit à l'autodétermination. Ces meetings populaires sont organisés très régulièrement, comme pour entretenir la conscience politique, pour éduquer et rappeler au monde que le peuple sahraoui attend sa liberté et qu'il reste mobilisé. Là encore, et ce n'est pas un hasard, ce sont les femmes qui sont à l'initiative de ces actions et qui les mènent à bien. L'Association nationale des femmes sahraoui fait ce qu'on appellerait peut-être en France de l'éducation populaire. Ici, les femmes elles-mêmes ont compris que la femme est l'avenir des Sahraouis. Avec des petits moyens, les femmes se forment, s'instruisent solidairement. Ici, on s'organise pour s'acculturer, s'adapter à un mode de vie différent et transmettre une éducation, des repères culturels, d'une autre façon. Bureau de la directrice, salle de formation, cyberbase, une salle de repos où la cérémonie du thé est là encore un acte essentiel de la culture sahraoui. Une salle de lecture, une salle de bibliothèque, sans lumière. On y voit des tableaux peints par des femmes, et là, la démarche est double. Initier à la peinture et utiliser la peinture pour transmettre des messages d'éducation civique ou d'éducation sanitaire. Ce tableau est réalisé avec de la peinture, mais aussi des éléments naturels, du sable, du thé. Ici, les femmes apprennent aussi à travailler de leurs mains. Cette association forme aussi les femmes au permis de conduire. 119 femmes ont passé leur permis de cette façon. Dans la grande salle de conférence, les affiches montrent des campagnes de prévention contre les mines antipersonnelles. Les femmes font régulièrement des manifestations de résistance pacifique. Lors d'une de ces manifestations pacifiques, réunissant plus de 2000 femmes de différents pays, un enfant a sauté sur une mine à proximité du mur. Ces femmes mènent des opérations de déminage à main nue. En 2010, à 12 km de El Aïoun, en territoire occupé, les Sahraouis ont monté un camp de 8000 tentes pour résister. Car les Marocains leur interdisaient de vivre sous tente, c'est une façon de les forcer à rompre avec leur histoire, leur tradition, leur identité. Eh bien, ce sont les femmes qui avaient cousu à la main, avec des voiles, les 8000 tentes. Cette histoire du camp de Gdaïmizik est un drame. Les Marocains ont entouré le camp avec des barbelés. Les négociations n'aboutissant pas, ils ont tenté de les affamer. Après un mois, les Marocains ont dressé une liste de 24 personnes arrêtées. Ces 24 personnes étaient toutes des défenseurs des droits de l'homme reconnus. Les 24 personnes ont été accusées d'être responsables de la manifestation. Elles ont été traduites devant des tribunaux d'exception. Le campement était entièrement détruit, brûlé. Des hélicoptères ont gazé le camp. Le nombre de morts et de blessés reste inconnu. Pour les Sahraouis, que ce soit dans les écoles, les associations ou les musées, toute forme d'éducation ou d'instruction est un acte de résistance et vise à survivre et retrouver la liberté. Ce musée national de la résistance montre au monde ce que les Sahraouis ont subi. On y voit des prises de guerre, des armes, des avions, des chars, des bombes, des mines, qui portent malheureusement la marque de fabrique de nombreux pays d'Europe.
L'histoire traditionnelle passe par l'objet, par des codes. Dans ce musée, on raconte l'histoire par l'objet exposé. Une tente, une théière, des outils, des ustensiles, des outres, des instruments de musique, des calebasses, tout ce qui a pu, au temps du nomadisme, permettre la convivialité dans l'itinérance. Dans cet autre lieu d'exposition perdu dans le désert, des roses des sables, des ammonites, des fossiles, mais aussi des objets d'art, des bijoux, des tableaux de sable. Dans ce centre pour enfants handicapés, là encore on est étonné de la façon dont les choses sont structurées au milieu du désert, dans des camps de réfugiés. Ce patio dessert une dizaine de salles, dans chacune d'entre elles, des enfants, des adolescents, de jeunes adultes, sont accompagnés dans l'acquisition des savoirs fondamentaux. L'écriture, la lecture, l'expression. Chaque salle correspond à un type de handicap différent. Cette crèche est l'équivalent de notre école maternelle en France. Les Sahraouis l'appellent Gardaria. Mais on est loin d'une garderie. Il y a là toute une méthode pédagogique progressive en fonction de l'âge des enfants qui est pensée et structurée. Les enfants récitent ensemble, chantent ensemble. Lorsque l'un d'entre eux est interrogé, il se lève et s'approche du tableau. L'enseignante induit sa réponse de sorte qu'il sache répondre sans se tromper. Et lorsqu'il a répondu, toute la classe applaudit. Hotel.
Des images, des lettres, des tableaux au mur sont aussi des outils pédagogiques. La maquette d'une tente est ici installée car on enseigne l'histoire et la tradition. Depuis quelques années, des collèges existent. C'est très important car avant cela, les enfants pour leur entrée en collège partaient nombreux à l'étranger, en Algérie, en Espagne, pour étudier ce qui renforçait la rupture culturelle entre les générations. قناعتنا من لا ثقافة له لا جذور له وبالتالي حقيقة احنا كيف تعرفوا 80 سنة حوالي القرن من الاستعمار الإسباني اللي حاول عنه أول يمس هو ثقافتنا يا كيف صنع مع جذورنا وما نجح دين عنكم الغزو المغربي لما جاء أول اللي حاول يمس هو يمس ثقافتنا يمسح هذه الشخصية الوطنية الصحراوية المتميزة في المنطقة حاول عنه يمنعنا من التسميات الصحراوية المعروفة في المنطقة وحاول عنه يعني يفصلنا مع زينا اللي هو زي متميز في المنطقة وحاول عنه حتى يفصلنا مع هذيك العادات اللي كيفاش كنا نعدلوا الأسامي كيفاش كنا نعدلوا العراس كيفاش كان مجتمعنا كيفاش كان يعيش cette invasion a visé la culture sahraoui à travers c'est-à-dire pousser pour chasser les sahraouis de leur propre territoire c'est-à-dire de leur propre nature وبالتالي حقيقة منين عجز حقيقة عن فصلنا عن هويتنا وعن ثقافتنا الأصيلة اللي تميزنا في المنطقة حاول عنها تكون عدل جزء من ثقافته هو الشيء اللي أعطاته الدولة الصحراوية والجبهة من نشأتها أعطاته أهمية خاصة Je crois que la culture, c'est un mosaïque humain très grand où les Sahraouis peuvent voir leur place. Seule la culture peut nous donner cette possibilité. لأنه في المنطقة حقا لما تلقى صحراوي في المنطقة هاي حق خارجين شعوب وعلاقات فيما بين الشعوب مثلا الجزائر عندها علاقات عندها ثقافتها وعندها عاداتها والموريتانيين عندهم عاداتهم وعندهم ثقافتهم المغاربة عندهم عاداتهم وثقافتهم لكن الشعب الصحراوي لما تلقاه تحس عنه فم ثقافة متميزة عن بقية هذه الشعوب وهذا هو الفضل اللي خلاتنا خلال هذه السنوات كاملة موجودين Pourquoi le peuple sahraoui a lutté contre le colonialisme espagnol et pourquoi on continue à lutter contre l'occupation marocaine
pour une raison très simple, que nous ne voulons pas être ni espagnols ni marocains. Ça ne veut pas dire qu'on nie notre relation avec les autres, y compris les Marocains. La culture est un frein très important dans cette lutte, parce qu'en réalité, le conflit du Sahara occidental a aussi des dimensions historiques, civilisationnelles. Oui, parce que nous sommes une société, c'est vrai, dans le contexte maghrébin, dans le contexte arabo-musulman, mais si on reprend un petit peu l'histoire de la région, on constate que les grands événements qui ont intervenu au nord de l'Afrique, surtout après l'islamisation de la région, les Sahraouis ont joué un rôle très important. مجتمع الصحراوي عموما حتى السنوات الخمسينات كان سيطر فيه طابع البداوة ظاهرة منتشرة. الثقافة البدوية تعتمد بالأساس على الشفاهي، وبالتالي نقص الكبير هو عدم التدوين، عدم الكتابة، عدم التصوير إلى آخره، وهذا عانينا منه كثير. Il faut pas oublier les conditions qui ont vécu les Sahraouis, surtout avec l'invasion marocaine. Alors il y a des jeunes qui sont très loin de cette culture. Il y a des jeunes qui ont étudié dans d'autres pays. On veut que ces jeunes, font la continuation avec l'autre génération, et que avec cet effort, on peut garder notre spécificité culturelle. C'est très important. Alors maintenant. C'est vrai que la culture sahraoui, surtout au niveau oral, se perdre avec le temps, et nous sommes très conscients au niveau du ministère de la culture qu'il faut faire quelque chose, et quelque chose d'urgence, parce qu'on a perdu beaucoup de gens, on a perdu beaucoup des vieux et des vieilles, malheureusement, durant notre histoire. Et comme a dit un savant africain, chaque fois que meurt un vieux, se détruit une bibliothèque. Il a donc fallu que les Sahraouis s'organisent, se modernisent, se tournent vers de nouveaux modes de transmission de l'information et de la culture. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il existe une télévision nationale sahraoui. Une école nationale de cinéma. L'école fonctionne depuis 2 ans avec un module cinéma et un module télévision. Elle dépend du ministère de la Culture. L'enseignement a lieu de juin à novembre par session de 25 jours d'études chacune. Depuis 2 ans, il n'y a eu qu'une seule promotion de 16 élèves, mais il est prévu des promotions de 20 élèves par la suite. La difficulté d'organisation vient des temps morts entre l'intervention des professeurs qui viennent de l'étranger chaque fois pour 25 jours. Les professeurs sont alors hébergés sur place. Ici, tout est enseigné, depuis la gestion de plateau jusqu'à la réalisation télévisuelle. Des échanges existent aussi, par exemple, avec des universités d'Amérique latine. Nous visitons des salles de montage avec un système digital et analogique. On nous propose de visionner quelques extraits de travaux d'élèves, de très courts métrages. On s'aperçoit vite
que l'appropriation de la technique est immédiatement mise au service de la résistance. Le peuple sahraoui n'a qu'un objectif, la liberté. Jusqu'à la création de cette école, il y avait eu des documentaires, des reportages sahraouis, mais jamais de la fiction. Depuis, 18 courts-métrages ont été réalisés en 2012 et une fiction de 56 minutes en 2013. Et de surprise en surprise, là, au fin fond du désert, il existe une société d'édition littéraire. Nous rencontrons Nana Labat Rachid. Elle est la fondatrice et la directrice de cette micro-entreprise, filiale de la maison d'édition L'Harmattan. Nana écrit entre autres un très beau recueil de poèmes, La plume prisonnière. Hasard de la vie, l'anniversaire de Nana coïncide avec le jour anniversaire de l'invasion marocaine du Sahara occidental. Nana est poète. Elle combat la guerre, l'oppression, l'injustice, avec des mots, des vers, des rimes. Son engagement dans la création et l'édition littéraire au milieu du désert, en plein Sahara, est particulièrement courageux. C'est un acte permanent de résistance. Le maison d'édition L'Harmattan, RAS, c'est le premier maison d'édition dans les réfugiés du camp sahraoui et la République aussi, mais c'est le premier maison d'édition dans toutes les réfugiés du camp au monde. On connaît bien c'est quoi le rôle de la culture, la poésie surtout, parce que tout le monde qui connaît la poésie, tout le monde qui comprend la poésie. Quand la poésie et la musique, c'est les deux arts, les deux arts que tout le monde qui connaît, bien comprend. Et j'ai écrit la poésie, ça fait longtemps, 23 ans. J'explique la souffrance du peuple sahraoui, la souffrance de la femme, la souffrance des enfants dans les réfugiés, dans la zone occupée, la zone libérée. C'est à mon avis, c'est très simple et très direct que tu parles à travers la poésie, explique quelques causes comme notre cause. Après que nous avons lancé la maison d'édition, nous trouvons beaucoup d'auteurs sahraoui. Mais avant, non, il est caché son travail. Parce que la maison d'édition, comme loup, comme كيف هو الملي يسبح فيه سمك الكتاب لي ميزون ديديسيون كوم ان لاك اوسيان ان لاك دي لي بواسون دو ليتا moi j'ai travaillé j'ai fait le livre ici le market la correction le livre qui est éditeur sahraoui ou n'importe quel auteur et aussi n'importe quelle langue. Et après, j'ai envoyé le livre à l'imprimante de L'Harmattan, Fnac, là-bas, à travers la ligne Internet. D'accord. Après, à travers les ONG, comme Régine Villemont, comme l'Association des Amis de Race, j'ai demandé par exemple 1000 exemplaires à chaque titre, ou bien 300, ou bien 400. Les amis qui travaillent dans les ONG qui m'ont téléchargé ici. Normalement, je montre les livres ici et après, financer l'auteur et la maison et L'Harmattan. À chaque exemplaire, il faut financer 2 euros. Par exemple, il faut qu'il vende les livres ici 5 ou 4 euros ici. Et après, il faut financer. Mais le problème où c'est, il n'y a pas personne qui achète les livres et 2 euros. Même 2 euros, c'est trop cher pour les réfugiés sahraouis. Mais moi, je reste toujours continue pour expliquer les sahraouis c'est quoi ça, le livre. Il faut que l'acheter. Il faut que continue. Et j'ai cherché encore quelqu'un qui peut financer L'Harmattan là-bas. À chaque année, par exemple, nous avons demandé 5000 euros pour financer L'Harmattan. Quand j'ai trouvé quelqu'un, ou bien association, ou bien qui finançait L'Harmattan là-bas, moi je travaillais ici tranquille. Je n'ai pas toujours réfléchi pour le financement de L'Harmattan. Toujours plus étonnant, c'est le festival FIS-Sahara, un festival international de cinéma au milieu du désert. Avec les moyens du bord, mais un vrai festival.
Les festivaliers dorment chez les familles dans des conditions forcément rudimentaires, mais l'accueil sera toujours chaleureux. On avait remarqué que, sans les aides extérieures, ni l'école de cinéma, ni la société d'édition ne pouvaient fonctionner. Là aussi, les Sahraouis ont besoin d'un soutien technique de l'étranger. Les Espagnols sont très présents pour ce soutien technique au Festival de cinéma. Des écrans géants sont dressés et adossés à d'énormes camions. Là, on installe des chaises. C'est ici qu'aura lieu l'ouverture du festival, avec en particulier le discours très attendu de la ministre de la Culture. La scénarisation est installée dans des conditions forcément difficiles par des techniciens de la télévision espagnole. Toute la manifestation sera couverte par de nombreux journalistes venus de différents pays, presse écrite, radio, télévision. La cérémonie d'ouverture sera même filmée par un drone qui passe et repasse au-dessus de la scène et du public. Le village du festival est très organisé, avec un bureau pour délivrer des accréditations, des guichets pour réserver des places, des bureaux où les réalisateurs, directeurs, techniciens du festival se réunissent pour des briefings stratégiques. Guillermo Toledo est plus connu sous le nom de Willy Toledo. Co-directeur du festival FISARA, il est très connu en Espagne, au cinéma, comme à la télévision. Entre autres, il a tourné en 2012 pour Pedro Almodovar. Il est célèbre aussi pour avoir joué dans une publicité pour le jeu World of Warcraft, en tant que paladin. Esta es la décima edición del festival y los primeros tres años fue en otros campamentos y ahora ya hace siete años que el festival se celebra aquí en Dakhla. En realidad somos tres codirectores del festival y ahí luego hay un equipo grande tanto en España como en los campamentos aquí en Dakhla y en los demás campamentos hay un equipo grande también de organización. Yo estoy en la dirección desde hace cinco años. Este festival tiene mucho que ver y tiene mucha relación con el mundo del cine en España. De hecho, es un festival ideado y pensado por cineastas españoles junto con miembros del Frente Polisario y con Saharauis. Entonces, un festival que organizamos desde hace 10 años en conjunto con el mundo del cine español. Bueno, en realidad el FISAHARA tiene dos objetivos fundamentales. Uno que es dar a conocer la causa política del pueblo saharaui, intentar internacionalizar el conflicto, porque es un conflicto que se ha quedado muy enquistado entre los tres o cuatro países que tienen algo que ver en el asunto, que son Francia, Estados Unidos, España y Marruecos, ¿no? Entonces la causa del Sáhara Occidental y del pueblo saharaui es muy conocida en España y tiene un gran apoyo popular en España. Pero la intención es ir más allá de las fronteras españolas y saharauis y hacer una reivindicación política de los derechos adquiridos del pueblo saharaui, además reconocidos por decenas de resoluciones de las Naciones Unidas. Y por otro lado, el otro objetivo del festival es traer y compartir cultura cinematográfica con el pueblo saharaui y intentar que sea el propio pueblo saharaui el que cuente sus historias a través del cine. Sont évidemment très militants. Il est plus question de la cause du peuple sahraoui que de cinéma. C'est ce que le public attend. Et la ministre de la Culture est ovationnée. Madame la ministre de la Culture, Khadija Hamdi, est une femme remarquable, courageuse, cultivée et très attachante. Khadija Hamdi est également l'épouse du président de la République arabe sahraoui démocratique. C'est une mère de famille. On est convaincu que la culture peut jouer un rôle très important
pour transmettre le message de notre peuple et visibiliser la lutte de notre peuple, soit au niveau des campements de réfugiés ou bien dans les zones occupées, surtout avec les violations systématiques des droits de l'homme. À travers la culture, le cinéma par exemple, l'art, la musique, tout ça peut mieux transmettre le message et pour moi peut-être mieux qu'un message politique. Le festival fait partie de cette initiative culturelle très grande. C'était pas facile qu'un festival de ciné s'organise dans le désert, bien sûr, et surtout dans les campements de réfugiés où la vie est très, très, très difficile. Maintenant, nous sommes dans la 10e édition. Qu'est-ce que ça veut dire, la 10e édition? Ça veut dire qu'on est là, hein, comme festival de ciné. Et une décennie, ce n'est pas facile dans cette expérience. Mais la 10e édition explique qu'on est arrivé à transmettre le message de ce festival, que le festival a pris sa dimension internationale, surtout avec la présence de milliers et des milliers d'acteurs, de producteurs de ciné, de directeurs de ciné bien connus, des acteurs, des actrices. Ça montre que le festival arrive à son succès. Alors aussi, c'est peut-être la première fois dans l'expérience du ciné que le ciné arrive au désert, mais arrive dans les campements de réfugiés. Et peut-être il y a d'autres priorités plus que le ciné. Il y a l'éducation, il y a la vie humanitaire qui exige beaucoup, beaucoup d'aide à ce niveau. Il y a la santé des réfugiés, mais aussi et il faut le ciné, il faut l'art, il faut la culture, il faut la protection de la culture, mais il faut à travers aussi cette culture, il faut tisser des relations humanitaires avec d'autres cultures, avec d'autres personnalités, avec d'autres pays, ce que nous sommes en train de le faire dans ce petit désert. Et la ministre de la Culture va s'asseoir à même le sol, avec le peuple, pour assister à la projection des premiers films. Les premiers films diffusés, de quelques pays qu'ils viennent, sont des films militants. Quand un peuple est ainsi opprimé, étouffé, privé de son territoire, de ses racines, il n'est pas envisageable que le moindre poème, le moindre film, le moindre tableau ne porte pas le seul message, celui qui obsède, la reconquête de la liberté. Ce sont des milliers de spectateurs assis par terre, à perte de vue, parfois jusque dans les dunes, qui assistent au festival Fissar. Une société consciente de la paix, une société consciente de la solidarité, mais une société aussi qui croit à la différence, qui croit au respect des droits de l'homme et respect à l'autre. L'histoire que nous venons de vous raconter a commencé à Tifariti. Partout où sont les Sahraouis, ils font vivre leur histoire. En les sédentarisant de force, c'est une violence supplémentaire qu'il aurait faite pour tenter de les empêcher de transmettre l'histoire, les traditions. La culture est un acte de résistance. Nebrik un mut alik. Nebrik, nebrik, nebrik un mut alik. Nebrik, nebrik, nebrik un mut alik. Nebrik, nebrik, nebrik un mut alik. Nebrik, je t'aime. Je mourrai d'amour pour toi. Le désir est ardent, le désert est brûlant, le regard en
embraser le chemin de la liberté. Le vent creuse les rides quand la terre est aride. Ne jamais abandonner le chemin de la liberté. Les briques, les briques, les briques ou moutaliques. Les briques, les briques, les briques ou moutaliques. Les briques, les briques, les briques ou moutaliques. Les briques, je t'aime et je mourrai d'amour pour toi. Au-delà des frontières, un mur dans le désert, prison à ciel ouvert, le chemin de la liberté. Ça transpire la peur, et ça saigne et ça pleure, par le sang, la sueur, le chemin de la liberté. Les briques, les briques, les briques ou moutaliques. Les briques, les briques, les briques ou moutaliques. Et comme a dit un savant africain, chaque fois que meurt un vieux, se détruit une bibliothèque. Et on est de retour sur le plateau de votre émission Ciné-Thématique qui rend hommage ce vendredi soir au peuple sahraoui frère, justement pour sa résistance, pour son amour pour la liberté, pour sa dignité et puis pour sa lutte pour justement la décolonisation du Sahara occidental. Celui qui m'a accompagné ce soir, c'est le journaliste Amar Bakhouch, bien sûr, le premier journaliste de l'EPTV, de l'ENTV, à avoir frôlé, bien sûr, le sol sahraoui. Sahraoui, bien sûr, après ce qu'on appelait cette marche verte marocaine, et vous témoignez tout à l'heure, bien sûr, sur la condition du peuple sahraoui, l'enfance sahraoui, le mur de la honte, le mur du silence, et puis on parle d'espoir, et c'est normal, et parce que c'est avec l'espoir, oui, et grâce à l'espoir qu'on survit, et puis qu'on arrive à concrétiser ces aspirations et ces espérances. On a souligné, on a mis en avant la culture, le rôle de la culture. D'ailleurs, dans ce film, ça revient tout le temps, la culture, l'appartenance, l'identité. Et on se parle au téléphone et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait passer après ce documentaire de Hervé Ferrand? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos téléspectateurs comme film témoin justement des conséquences et surtout des pillages du colonialisme. Des pillages du colonialisme et des affres du colonialisme. Vous me dites tout de suite, Ahmed Rajdi, on en a parlé bien sûr sur Silène qui est un feuilleton qui dénonce encore une fois les méfaits du colonialisme. On parlait justement de ces murs, de ces barbelés, leurs conséquences sur les enfants, sur les habitants, sur les citoyens. Exactement. Pourquoi L'Aube des damnés, Amar Bakhouch, pourquoi ce film en noir et blanc qui est sorti en 1965? Qu'est-ce qui vous attire dans ce film documentaire, Amar? Dès l'indépendance, 62, donc trois ans après, oui, la naissance du cinéma algérien, c'est qui est né avec Chenderli et Mohamed Rajdi, qui était un jeune assistant. Hamina, ces gens-là, ils sont nés avec Moussa, ils sont nés avec le mouvement national, l'ALN. Oui. Au lendemain de l'indépendance, l'Algérie a accordé une importance vitale à la culture et à la mémoire. Oui. La mémoire, c'est de rassembler tout ce qui concerne la lutte du peuple algérien depuis toujours. Même avant les 132 ans de colonialisme français. Oui. Et l'Algérie, elle s'est trouvée, par sa révolution, par son aura, à la pointe. Par ses valeurs. Par ses valeurs, à la pointe des mouvements de libération. Dans le monde. La libération n'est pas simplement la libération de la terre, c'est-à-dire renvoyer le colonialiste et établir ses propres institutions, mais l'indépendance, c'est aussi récupérer ses richesses, les exploiter, et il y a une meilleure manière de le faire, c'est d'amener les gens à prendre conscience, justement, de leur appartenance, de leur culture, de leur histoire.
Dans le film, il y a une séquence magnifique, il y a une séquence, selon moi, la plus belle de ce film. C'est celle de Sidi Ahmed Agoumi, d'abord, quand Sanu, qui nous regarde. Et il était jeune, beau. Moi, avec... Je le salue, Sidi Ahmed, c'est un bon ami. Magnifique, c'est une gentille personne, et puis c'est quelqu'un de bienveillant. Ah, et croyez-moi, il regarde l'émission, il porte toujours des remarques sur l'émission qui nous font avancer. C'est grâce à ces personnes qu'on arrive à évoluer. C'est bien, ils sont toujours actifs et ce sont des, comme je dis moi, toujours ce mot, ce sont des accélérateurs de particules. Il y a Sidi Ahmed Agoumi accompagné de jeunes Algériens et il visite les musées, les sites archéologiques, les rues. Il observe l'architecture de la ville, il observe les champs, il observe les personnes, comment ils marchent. Et dans ce film, le commentaire a été écrit par Mouloud Mamri. Grand. C'est puissant. Ahmed Al-Hajdi disait que c'était important de véhiculer un grand message à travers ce film documentaire. Il y a quelque chose de captivant. Il nous dit, dites à votre jeunesse, dites à vos enfants de visiter les musées. Les musées. D'aller voir les bibliothèques, d'ouvrir les livres d'histoire et de faire des recherches sur leur propre identité et leurs racines. C'est cela qui va leur permettre de vivre et de résister et se développer dans ce monde. Et d'avancer. Il y avait un regard avant-gardiste, pardonnez-moi. Est-ce que vous le constatez aujourd'hui, vous qui avez un regard sur la société d'aujourd'hui, cette société de culturation, cette société qui nous impose la consommation, cette société qui nous vend du capitalisme en bloc et parfois, mais vraiment d'une manière très, 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 très violente. Malheureusement, pas assez. Il n'y a pas assez d'efforts fournis par les institutions de l'État et des créateurs algériens. Il y en a. Malheureusement, avec, comme je disais tout à l'heure, la dessinée noire et tout ça, il y a un recul dans la production, notamment artistique, cinématographique, théâtrale et tout ça. On était en avant-garde, en pointe, les années 70 jusqu'à les années 80. Il y avait des productions de films et la télévision faisait partie. En tant que support financier à la production des films de Ftissen, de Berthi, de Ben Ammar et d'autres. Mais par la suite, il y a un recul. Des salles de cinéma à Alger, moi je connaissais une vingtaine de salles de cinéma dans ma jeunesse, quand j'étais encore universitaire, je pouvais aller voir. Il ne se passait pas un jour ou deux jours sans aller voir un film. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a d'autres supports. Maintenant, il y a une autre vision de la pratique culturelle. C'est pour ça que je parle de culturation et je parle de modernisation. Il y a les supports sociaux, il y a tout ça. Je pense. Des supports technologiques comme Internet, par absolument. Exemple. Absolument. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui ont envahi cet espace-là. Il y a des jeunes réalisateurs, si je peux me permettre, des jeunes cinéastes. Qui font de la production, qui se bagarrent, il y a des films qui ont eu des prix un peu partout. Mais il faudrait multiplier justement cet effort-là. C'est la dernière petite question. Est-ce que vous pensez que dans nos écoles, dans nos universités, dans nos lycées, on devrait passer ce genre de travaux, comme ceux de Rajdi, comme ceux de Ben Ammar Barthi, comme vous dites, comme des pièces théâtrales de Al-Lula, des pièces théâtrales, de Kaki, qui a travaillé sur 132 ans, de Slimane Ben Issa. Est-ce qu'on devrait les insérer officiellement dans un cursus d'un enfant, d'un jeune étudiant à l'université, d'écolier? Peut-être comme un cursus, c'est un peu délicat ou difficile. On devrait penser à organiser, par exemple, des semaines. Des thématèmes avec des films de culture dans les grandes universités, dans leur amphithéâtre, des projections avec débat, des écoliers, par exemple. Actuellement, on est en train de faire des sorties pédagogiques sur le terrain pour voir un peu le jardin. On peut leur faire des projections de films à chaque niveau. À chaque niveau, il y a des trucs. Mais les pièces théâtrales, bien sûr, on ne peut pas les faire jouer dans des espaces comme ça. Oui. Mais on a beaucoup de salles de théâtre et on a beaucoup de théâtre en Algérie. Il faudrait regrouper d'abord ces acteurs, ces comédiens, ces trucs. C'est en encourageant le retour du théâtre, le retour du cinéma, qu'on peut
développer ça et s'ouvrir et aller vers les institutions où il y a les jeunes. Merci beaucoup d'avoir patienté avec nous. Je sais qu'il se fait tard et que Amar Bakhouch, bien sûr, répond toujours présent à notre émission. Je voudrais, si vous me permettez. Bien sûr, allez-y. Le film, ce film d'Ahmed Rajdi qui fait pratiquement, c'est un montage qui a duré par des heures et des heures et des kilomètres, comme il le dit, de visionnage. Oui. Par la suite, il y a quelqu'un qui a pris un peu le relais. Il faut le saluer. Il a fait un film documentaire qui a créé une grande histoire entre l'Algérie et la France. Mmh. Combien je vous aime, de Azzedine Bedour. Oui, c'est un très et il a fait une, c'est un très très beau il film. Il a fait une longue série extraordinaire qui s'appelle. Il faudrait trouver un jour des thèmes pour ce que vous faites. Vous rendez hommage. Vous êtes en train de faire revivre justement ce patrimoine cinématographique. Impérialisme sans empire. D'accord. L'impérialisme sans empire, c'est des séries de trucs d'Azzedine Bedour. Et là, vous allez trouver la voix de Ben Gattaf. Merci beaucoup pour ces orientations. En tout cas, grâce à vous, on a pu mettre la main sur Silène de Ahmed Rajdi. On l'a diffusé. Hein. C'est vous qui nous avez. Juste une phrase, si vous me permettez. Mais bien sûr. Parler du mouvement de libération nationale et de l'apport de l'Algérie, et son soutien au mouvement de libération nationale. Oui. Enfin, vous devez être au courant qu'il y a eu l'indépendance de 5 pays africains. Les pourparlers ont été organisés ici en Algérie. Ils ont eu leur indépendance en 1975. C'est les colonies portugaises qu'on appelle. Le Mozambique, l'Angola, le São Tomé et Principe, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Pas la Guinée, quoi. La Guinée-Bissau. Les 5 colonies, les accords d'indépendance de ces pays-là ont été signés en 1975, juillet 1975 en Algérie. Et j'ai eu aussi le plaisir, dans le mouvement de soutien au mouvement de libération nationale, le premier journaliste à aller aux îles de São Tomé et Principe pour réaliser un documentaire en 80. Qu'on peut ressortir, hein. Attention, hein, parce qu'avec Ciné Thématique, on risque de vous ramener plusieurs fois dans cette émission. Oui, c'est un thème qui porte justement, parce que c'est à l'époque, pourquoi on l'a fait, passant au Sahara occidental. Ouais. Parce que c'était un peuple de 85 000 habitants à l'époque, et l'argument de la monarchie à la à l'époque, de dire c'est une minorité. Enfin. Merci beaucoup, monsieur Amr Bakhouch. En tout cas, ce soir, bien sûr, dans Ciné Thématique, on vous propose l'aube des années 1965, quand vous le dites, bien sûr, du grand Ahmed Rajdi. C'est une pièce à conviction, moi je l'appelle comme ça. Ouais, c'est une pièce à conviction qui condamne, qui dénonce les exactions du colonialisme ici en Algérie, mais dans tous les pays africains, et les conséquences dramatiques, bien sûr, sur les peuples et sur les citoyens et les habitants en Afrique. Et puis c'est un documentaire assez esthétiquement beau, j'allais dire. Il est très remarquable, il est très beau. Regardez-le. Puis je remercie encore une fois la direction des archives qui a numérisé ce film et qui nous permet aujourd'hui de le vous présenter en bon état. Profitez. En tout cas, Cannes à l'Algérie, c'est la fenêtre ouverte justement sur le cinéma, le film, le théâtre et le documentaire. Et bien sûr, qui soutient les causes justes. C'était Amir Nbech qui vous parlait du Studio 7 avec toute l'équipe sympathique qui nous porte depuis 2015. Hein, je les salue. Et je salue Nabil Tribesh, Hassiba Hasnaoui, la direction.